bien sûr, c'est un honneur pour d'abord l'établissement, mais un honneur bien sûr pour Cergy Pontoise de recevoir ce label, parce qu'on s'associe, je dirais, à l'établissement, puisque c'est un jury international, et donc quelque part, à la fois le programme de recherche, le programme de formation, les enseignements, je dirais, de CY et le territoire sont reconnus. On est au même niveau que Nantes, Bordeaux, Paris-Saclay. Finalement, on est au même niveau que l'ensemble des grands établissements, des grands lieux, je dirais, de rassemblement universitaire de la France. CY, c'est à Cergy-Pontoise extrêmement important. Extrêmement important parce que c'est un cœur de développement, d'attractivité de notre territoire. C'est 35 000 étudiants, c'est aussi des établissements connus au niveau international et c'est aussi une vie étudiante riche, dense, où il fait bon vivre. Cergy-Pontoise a toujours été un lieu d'innovation. Innovation parce que nous sommes ici dans une ville nouvelle, innovation sociale, innovation, je dirais, en termes de développement, notamment en termes d'urbanisme. Et finalement, l'ICIT nous permet de rentrer sur un autre volet d'innovation, l'innovation pédagogique, l'innovation universitaire. Je pense que ça complète bien l'ensemble du dynamisme que nous avons sur ce territoire. Donc bien évidemment, je remercie le président de l'université qui a porté, avec d'autres, mais qui a porté l'ensemble de ce projet et tous ceux qui l'ont accompagné.